L'actualité, on le sait, hein, depuis des mois et des mois, est une actualité violente, aussi bien en France que dans le monde. Il y a de nombreuses victimes, des familles profondément touchées. Eh bien, le pardon, vive le pardon dans ce contexte-là, n'est pas évident. On a vu, suite aux attentats du mois de novembre, des personnes, des parents touchés parvenir à exprimer ce pardon. D'autres ne le peuvent pas. Eh bien, il n'empêche que dans le contexte actuel, dans cette actualité violente qui est la nôtre, les chrétiens doivent continuer à faire retentir cet appel au pardon. Il ne s'agit pas de faire la morale aux personnes, aux chrétiens ou au public en général. Le pardon ne s'ordonne pas, il ne se commande pas. Voilà, simplement, on en rencontre en témoignant. Il y a des personnes qui, après un long chemin, parviennent à pardonner, et puis d'autres, malgré un long chemin, n'y parviennent pas. Il n'y a surtout pas de jugement à porter sur les uns ou sur les autres. Mais l'Église, néanmoins, doit répercuter, faire retentir sans cesse ce pardon qui est au cœur du message de Jésus.